Don't you dare say that I want it. Everything will fall apart when it's hard to me. Cause my only crime was hoping there is something more than this loneliness I feel. But no one makes me feel less alive. We're fighting fire. The way you push my buttons just right. We're fighting fire. When two voices of nature collide. On était justement en train de dire que les conditions de jeu étaient parfaites. Un ciel dégagé, des tribunes qui se sont remplies, une magnifique ambiance, une pelouse presque parfaite. Bon, je vous épargne le bulletin météo complet. Je me permettrai juste d'ajouter que c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce match et de vous remercier pour votre fidélité. Merci. Il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stade pour cette rencontre. Ça ne vous aura pas échappé, le match a bien débuté. Fernando Torres, ça doit faire but. Fernando Torres, c'est dedans. Le match vient de débuter, mais lui, il est déjà bien présent. C'est clair qu'il lui a pas fallu longtemps pour démontrer tout son talent, encore une fois. Vraiment magnifique ce 1-2, ils se comprennent parfaitement, c'est fabuleux. Il ne s'attendait certainement pas à une entame de match aussi compliquée. Puyol. La bonne passe. L'occasion peut-être pour Rashford. Fernando Torres. Dommage. Et je crois que le gardien sait qu'il n'était pas sur la trajectoire. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Qui cherche la profondeur. Voici Batistuta. Bien servi. Bonne lecture de la trajectoire. Vira. Kaka. Le ballon dans la profondeur. Eh non, hors jeu. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Bonne interception, il y avait danger. La passe en retrait vers son défenseur. Cruyff. C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. Cafu. C'était difficile comme geste. Avec Rashford. Bien, la profondeur. L'interception au bon moment. Voilà une passe décisive qui ne trouve personne. Quand on joue dans l'axe, il faut être plus précis que ça dans les passes. Vira. Et la bonne intervention. Bon service dans la profondeur. Il n'y a pas eu de round d'observation dans ce bon début de match. Ça fait donc 1-0. En la profondeur, bien vu. Puyol. Vira. Il est bien placé. Van Dijk qui résiste à la charge. Nedved. Beckham, le bon ballon. Ah, l'arrivée, il ne pourra rien en faire de ce ballon. La passe dans la profondeur. Et récupération en sens livré. C'est osé. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Il allonge le jeu.
Voilà qui met un terme à cette première période. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Et il mérite de mener à la pause. Le public est satisfait. Il faut qu'il continue comme ça. Le score donc 1-0. On espère encore plus de jeux, de spectacles au cours des 45 prochaines minutes. Allez, c'est une nouvelle mi-temps qui commence. Un petit but d'avance. Ils font la course en tête pour l'instant. Quelle passe! Il réoriente le jeu vers l'arrière. Il cherche la profondeur. C'est joué long. Nedved. Il tente de la jouer dans l'espace. Et ce ballon jusqu'à l'autre aile. On essaie d'écarter le jeu. C'est joué long, c'est dangereux. En profondeur vers Batistuta. C'est bien donné. Roberto Carlos. Oh, ce jeu de passe, quel régal! Voici Batistuta. C'est joué dans l'espace. Vira. L'ouverture lumineuse. Kaka. C'est joué dans la profondeur. C'est une... Oh, l'intervention magnifique! Oh, le gardien est là, la classe! Il a bien joué le coup, mais ça ne rentre pas. Beckham, il va frapper ce corner, c'est sa spécialité. Faut tirer là! À côté! Oui, ça part d'une bonne intention, mais malheureusement pour lui, ça ne marche pas. Beckham qui se montre intraitable dans ce match. Vira. Roberto Carlos. Dites-moi, Darren, votre sentiment sur cette rencontre? Ils espèrent tenir cette courte avance jusqu'au bout. Une occasion, peut-être, pour Cruyff. C'est joué long, attention. Oh, il faut frapper! Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Bon, c'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. Exactement, oui. Ça sort, touche. La maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Dans la profondeur. Dans la profondeur. La frappe. Ils sont passés tout près d'égaliser. Il évite l'égalisation, c'est bien joué. Il met la tête. Il peut récupérer, deuxième chance. Oh non, qu'est-ce que c'est que cette frappe? C'est bien fait, il y a vraiment cru, mais il manque de réussite. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. C'était une bonne passe, mais la défense ne s'est pas laissée prendre. Nedved. Oh, Filippo Inzaghi. Ça joue long. Attention, occasion. La tentative. Oh, dommage, la passe était parfaite. Et pourtant, ils avaient bien trouvé la profondeur. On profite de cet arrêt de jeu pour effectuer un changement. L'entraîneur a décidé d'effectuer un double changement. Peut-être un changement tactique ou simplement du sang frais. S'il le trouve. Et ils n'attendent plus qu'une seule chose maintenant, le coup de sifflet final. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Oui, il faut dire que ça manquait de précision aussi. Et il a trébuché sur cette intervention. Attention, coup franc dangereux à suivre.
On se rassemble autour de lui histoire d'évaluer la gravité de la blessure. Beckham, il va chercher un coéquipier dans la surface, ça paraît plus simple. Allez, se concentrer sur ce coup de pied arrêté. Pour Puyol, c'est un bon... Mais si, il marque! C'est tout simplement incroyable, magic! Le break est fait, deux buts d'écart désormais. Quelle précision, le gardien ne pouvait rien faire. Et on ne peut pas blâmer les gardiens sur ce coup-là. Un poteau rentrant, c'est imparable. Là, le coup de sifflet final. Le match est terminé. Victoire, c'est donc la victoire finale pour cette équipe. Et franchement, elle est méritée parce que techniquement, physiquement, mentalement, ils étaient vraiment au-dessus des autres. Alors, que retenir de cette rencontre? Ils ont encore démontré que le chemin le plus court pour marquer, c'est de passer dans l'axe. Eh oui, mais bon, encore faut-il avoir les joueurs pour le faire.